Cloître, tout se passe au mieux et dans le calme. Eh bien, ma belle. Rassuré sur ce point, le couple l'est moins sur la communication avec Bella. À réfléchir, hein. Est-ce qu'on va réussir, surtout quand, en sachant que c'était un chien qui a eu une vie difficile avant, donc c'est vraiment pas une décision à prendre à la légère. En plein août, le couple décide de retrouver Danina pour débriefer sur cette étape. Alors, la balade ? Ils sont pas trop rapprochés pour la balade, vous avez envie chacun de leur côté. Ah bah, elle n'a pas allé en forêt. Oui, donc lui, elle est en refus, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est plutôt quand même positif. Ouais. Donc, maintenant, on va les remettre un petit peu en part ensemble ouais. Pour voir rien voir. Ouais. Tu viens? Attention Ingrid, c'était hier que je t'ai fait ta vaisselle ou avant-hier? Hein, c'était hier ou avant-hier que je t'ai fait ta vaisselle? Hier. Ah ouais, c'était cool hein. C'était cool et là je t'ai passé un coup de balai, tu vois, je t'aide bien. Je t'aide bien. C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension parce que bon, c'est vrai que quand on a la venue d'un bébé aussi, je me dis, est-ce que ça va nous prendre. Comment ça va se passer au niveau de l'éducation? Alors, au niveau de l'éducation, l'avantage, c'est que vous allez quand même un chien qui vous a fait. On parle pas sur un chien qui est chaud, qui a un gros bâtiment, qui a voilà. Danina se veut rassurante, surtout que l'enfant. Pourquoi tu mets ton blouson, Ingrid? N'est plus du tout la même. Ingrid, pourquoi tu mets ton blouson? Pourquoi tu mets ton blouson et ton écharpe? Il fait pas froid. C'est rose, mais j'ai mis éteint le chauffage. T'as froid au moins, t'as froid. Ferme la fenêtre. Non, n'éteins pas le chauffage. Hein. Surtout pas, tu baisse le chauffage. Mais là, on chauffe les rues, là. Mais baisse le chauffage. Pourquoi t'as mis ton blouson? Il fait pas froid. On est bien là, on est bien ensemble entre amis. Hein, entre amis. Ah, tu veux. Et Guillaume, il perd complètement les pédales, il prend pas ses médicaments. En fait, ses médicaments, Guillaume, il les prend, il les met dans sa bouche, il fait semblant de les prendre et il les crache par terre dehors dans la cour. Mais il est complètement fou, hein. Il n'y arrivera pas. Hein. Et en plus, son psychiatre, apparemment, il se fout de sa gueule, sa psychologue, c'est pareil, ils en ont rien à carrer. Ses parents ils en ont rien à foutre. Mais il est complètement paumé Guillaume, il va mal finir celui-là si ça continue comme ça. Hein Ingrid? Si ça continue comme ça, Guillaume il va mal finir. Il se sera suicidé pour de bon hein, si ça se trouve. Mais j'espère pas pour lui parce que Guillaume c'est un bon pote. Faut pas qu'il se suicide, faut pas qu'il se suicide. Mais si ça continue, s'il prend pas ses médicaments comme ça, ça va encore lui en venir, les idées suicidaires. T'as une belle chambre, mon gars. Ça, c'est le miroir pour te regarder quand on t'est habillé. Hein.
La belle machine à laver, le lavabo, la douche. L'évier pour se laver les mains. On en frappe également bien, il faut les papiers. Moi-même, check ma gueule. Yo, wesh. Je suis là mon gars, je suis là mon gars, je suis là mon pote. T'inquiète mon pote, on est là, on est avec toi. Allez, on continue la vidéo. Les sœurs jumelles ont déjà une idée précise du vieil héritier de Sadie, leur chienne adorée disparue. Un grand chien, à la différence de la prochaine chaîne, elles sont un peu plus câlins. Après, la petite, quand on voit, c'est un peu difficile parce que c'est pas vraiment expliqué. J'avais juste un petit envie de faire pipi, excusez-moi, ce n'est rien, tout le monde fait pipi et caca de la même façon, tout le monde, même si tout est joué d'avance, c'est ma chanson de foi, si je dois bien te dire, je me rappelle bien de ce que j'ai réécrit, alors ne casse pas les couilles.
Oh. Bon, on coupe, c'est bon. On fait un petit mot à la caméra. On fait un petit mot à la caméra, Ingrid. On est dans ta chambre. Tu fais un petit mot et j'arrête la vidéo dans 30 secondes. Vas-y, dis un petit mot. La vie est belle, le soleil brille. Vas-y, fais la fofolle un peu. Après, je te dirai stop quand tu peux arrêter.